Salut à tous, comme vous pouvez le voir juste en bas, il y a un petit chrono. Je me suis dit pour cette vidéo là, je vais faire même pas 30 secondes d'intro. Le but du jeu, c'est vraiment de vous partager la vidéo qu'on a tournée avec Fred Ostruy, Bike Resolution. Bike Resolution, c'est quoi? C'est le regroupement de pro riders. Donc il y a du street trial, BMX park, VTT dirt, BMX flat, foot freestyle, parcours et monocycle. On est allé à Sèvres-le-Château, on a tourné une vidéo vraiment ouf. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec à peu près 3 minutes de vidéo. Sortez le popcorn, ça va faire mal. Voilà, donc déjà les images sont vraiment superbes. Merci au caméraman qui a shooté tout ça. Je laisse en description le lien pour retrouver le mec qui a shooté, le Instagram et les réseaux de tous les riders qui ont participé à cette vidéo-là. A savoir qu'il y avait Isvan Caillet et Florent Ferras qui sont dans l'équipe de France de BMX Park. Il y a vraiment du très très lourd, c'est vraiment cool. On a vraiment kiffé, on a passé une journée de tournage complète dans les ruines du château. Et je kiffe vraiment ce genre de vidéo atypique. Donc c'est vraiment cool, je suis vraiment content d'avoir participé à ce projet. Et forcément je suis vraiment content de participer, enfin d'être intégré à la team Bike Resolution. J'espère qu'on va faire beaucoup de choses cette année, qu'on passera vous voir un petit peu dans n'importe quelle ville. On bouge vraiment dans toute la France et puis même dans l'Europe. Forcément, vous l'aurez compris, ça dépend du budget. Mais c'est cool, il y a vraiment beaucoup d'animation. Le flat, comme vous pouvez voir, ça s'adapte vraiment n'importe où. Pour ce tournage-là, j'ai pas été vraiment bien servi. C'était vraiment pas facile de trouver un spot. Voilà, j'ai pu rouler sur les tables de pique-nique, j'ai roulé sur les tables de street trial et j'ai réussi à trouver un ou deux spots. Donc il n'y a pas beaucoup d'images de moi, malheureusement, dans cette vidéo-là. Mais je serai en tout cas sur pas mal de shows avec Bike Resolution du moment que l'organisateur souhaite du flat. Du coup, ce que je peux juste vous conseiller, c'est que si vous connaissez un organisateur d'événements ou si vous êtes
entendez parler d'un événement près de chez vous qui arrive, qui est en cours d'organisation, et ben vous pouvez nous contacter. Je laisse le lien de la structure Bike Resolution en description. Alors si vous voulez que du flat, vous pouvez me contacter moi, mais si vous voulez compléter du flat avec du BMX Park, avec du VTT Dirt, avec du monocycle, avec du street trial, bref, si vous voulez qu'on fasse un petit mélange, et ben n'hésitez pas à contacter directement Fred, donc sur Bike Resolution. Donc contactez moi et je renverrai vers Fred si jamais il y a besoin des structures. Et comme vous l'avez compris, c'est notre table. Les shows nous permettent de vivre et du coup forcément financièrement de pouvoir bosser sur d'autres projets, de développer le BMX. C'est une petite boucle, c'est que du kiff. Voilà, quoi qu'il en soit, je le redis, mais je vous invite vraiment à aller checker le Instagram de tous les riders qui sont dans cette vidéo-là. Ça va être notre team Bike Resolution. Et allez checker forcément le team Bike Resolution pour les futures dates. Après, je vais pas vous donner trop de dates dans cette vidéo-là, parce que si vous retombez sur cette vidéo-là l'année prochaine, bref, en 2020, les dates seront pas les mêmes que cette année, forcément. Donc voilà, je compte sur vous vraiment pour faire tourner cette vidéo-là au maximum. Et faites exploser les partages sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. J'ai fait un post avec un bout de la vidéo. Vous pouvez la repartager. Partager en story, inviter les gens à aller checker la vidéo sur YouTube. Vraiment, ça nous ferait super plaisir. N'hésitez pas, le petit pouce bleu et le commentaire. Et là, le commentaire est important. Je vais vous inviter à mettre en commentaire le nom de la ville où vous êtes et si vous voulez un show dans votre ville. Comme ça, si vous entendez parler quelque chose, laissez un petit commentaire avec votre ville. Et par exemple, la foire aux saucissons de chez Sillémine ou le carnaval de Saint-Priest-la-Prune. Peu importe, que ce soit un petit village, une grosse ville, on bouge vraiment partout. Donc, même si vous vous dites, j'habite dans un petit village, il se passe rien, la fête c'est vraiment pas ouf, et bah justement nous on peut arriver, on peut vous amener une animation vraiment terrible et du coup vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire, médiatiser encore plus le côté freestyle, et voilà, c'est gagnant-gagnant. Franchement, je compte sur vous. C'est tout pour aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous abonner. Vous pouvez checker, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, d'autres contenus sur ma chaîne avec des tutos, des reportages, pas mal de vidéos plutôt BMX flat. En attendant, je vous dis à très très vite. Vous êtes les meilleurs. You crazy mother.